Inspiré de la fable de La Fontaine, Le Chêne et le Roseau, voici l'une des œuvres les plus célèbres du sculpteur Henri Couteillas. Exposée à Limoges, ville natale de l'artiste pendant près d'un siècle, cette statue en marbre n'est plus visible du public depuis une dizaine d'années. La voici désormais à Saint-Junien, où elle attend d'être restaurée. Nous, on a suivi un peu l'histoire de cette statue, et comme on était en train de rendre hommage à Couteillas, à l'œuvre de Couteillas et l'œuvre de Jean Théillé, son ami peintre à Saint-Junien, on s'est dit, cette statue, plutôt qu'elle soit en dépôt, ce serait intéressant qu'elle soit mise en exposition à Saint-Junien. Une statue qui suscite aussi l'intérêt de ce fervent défenseur du patrimoine. Mais Michel Toulet, lui, préférerait voir réapparaître l'œuvre de Couteillas dans ce parc de Limoges. Cette statue, elle est entrée dans la vie des Limougeaux. On la plaque sous des prétextes artificiels à Saint-Junien, où elle n'a absolument pas sa place historique. Sa place historique, c'est au milieu des Limougeaux. Malgré ces protestations, c'est bien à Saint-Junien, sur cette place, que devrait être installée la statue, avec le soutien affiché de la ville de Limoges. Limoges, qui a un rôle de capitale à jouer, a aussi à être généreuse et à irriguer son territoire, ce territoire de Haute-Aquitaine qui a son identité et qui a des richesses extraordinaires à découvrir. Symbole d'un nouveau partenariat culturel entre Limoges, Saint-Junien, mais aussi Saint-Thirié et Bellac, Le Chêne et le Roseau sera rendu aux yeux du public à l'occasion des Journées du patrimoine.